Ce qui nous motive, c'est de faire plaisir aux gens. Puisque le GRP a été créé par des amoureux du trail et de la montagne qui ont voulu partager ces sites et leur passion du trail. C'est avec une méconnaissance totale de ce que pouvait être le trail que je leur ai fait confiance, et une confiance bien placée, puisque si nous avions 400 participants en 2008, nous sommes à 5800 en 2021. En un mot, c'est extrêmement compliqué. Magnifique. Et dur. Deux mots. C'est énorme. Du bonheur. Formidable. Caillou, hein. Vraiment. Plein de cailloux. Magique. Ah, en un mot. C'est compliqué en un mot. C'est trop beau. La technicité des sentiers, vraiment. Exigeant. Très exigeant. Ah, chaud. Il a fait très chaud. C'est pas facile, mais... Magnifique. Ah, c'est magnifique. Donc c'est pour ça qu'on revient, d'ailleurs. C'est génial. C'est dur, mais c'est beau. Fantastique à refaire. Même si c'est dur. Hein. C'est pas les montagnes de Bretagne. Je répète convivialité. J'aime bien le côté... l'impression d'être dans une grande famille, en fait. Ouais, magique. C'est magnifique. Pour ça. Donc que du bonheur. Ce qui me fait revenir, l'ambiance GRP. Et puis ici quoi. La vallée d'or, c'est magnifique. C'est plus sauvage. Ah c'est chouette, hein, évidemment. Ah, si on veut aller au bout de soi-même, je crois que c'est le bon endroit, quoi. Ah, le GRP en amont, je crois que c'est convivialité, mais ça a déjà été dit avant. Un événement sportif familial. Parce que à chaque ravito, vraiment, tout le monde est sympa. J'ai coupé le saucisson. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ils sont là. On sent qu'ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner dans notre périple. Et ça, c'est vraiment super génial. Je remplis les bouteilles pour se rafraîchir. C'est amusant d'encourager les gens et de remplir les choses pour eux et tout. Alors, la bonne recette d'un bon GRP, déjà c'est... La bonne humeur et la joie de vivre. Convivialité, effort physique, dépassement de soi. L'ambiance, le cadre. La montagne, ça monte, et tout ce que tu montes, tu peux le descendre. La bonne recette pour mon GRP, des bonnes jambes, je crois. Je crois que c'est ça. C'est l'ambiance, le paysage, les bagnoles, c'est top, quoi. Ils sont mignons comme tous, ils sont des amours. Les sympas, bien organisés, les bénévoles sont fantastiques. Ouais, merci. Voilà, on y revient. La modestie, surtout, l'empathie, être bienveillant par rapport aux autres, regarder toujours les autres concurrents, au cas où ils aient une défaillance, c'est important. On est là pour ça aussi, pour partager les choses. La souffrance et du plaisir, ça. On va se dépasser, prendre du bon temps et puis on va faire du sport. C'est des bénévoles formidables. Et puis une bonne préparation, quoi. Une bonne préparation. C'est indispensable. C'est pour ça qu'on revient. Très bonne organisation. C'est sympa. C'est une plage magnifique. C'est rien de très technique. Il faut savoir à quoi s'attendre.
Puis après, convivialité, ça c'est le top. Ah, puis c'est bien ici, à l'accent, les gens ils sont. C'est chantant l'accent, c'est sympa. C'est la famille, c'est les copains, c'est le partage. Le partage. C'est ça, le GRP c'est vraiment le partage, les gens qui viennent tous, ils viennent pas que courir, ils viennent chercher une ambiance, ils viennent chercher du partage avec les autres, voilà, tout simplement. Un coureur, il faut profiter, je pense qu'avant tout c'est le plaisir pour soi, savoir, on va dire, être dans l'instant présent. Pour la course, je dirais, c'est un peu la recette qu'il y a ici, hein. Qualité d'organisation, des bénévoles qui sont là un peu partout, aux quatre coins du parcours, partant de soleil, pluie, vent, nuit, jour, qualité de ravitaillement et qualité de parcours. Donc, tout ça, ça fait une recette que coche que j'ai. Yeah, ça se passe bien? Ça se passe super bien! C'est cool. Content d'arriver au ravito quand même! Ouais. Besoin d'eau, mais super cool! Beau paysage! Bon. Et merci à tous les bénévoles! Ça va, c'est dur un peu, mais ça va. Mais tout va super bien. C'est fantastique. Super. Franchement, un paysage magnifique et temps idéal. Hey, regardez, salut, mec, on est là. Oh là là, quoi. Depuis le début, ça régale. Le but là, c'est en fait, c'est boire une bonne bière à l'arrivée. Comme à chaque trail, quoi. Ça va, il fait beau, c'est magnifique. On va bien en profiter. On va apprendre, prendre plein les yeux. C'est super. Merci à vous. Ce qu'il y a de bien avec le trail, c'est que ça ramène un peu tout le monde au même niveau. Alors oui. Il y en a qui sont plus endurants que d'autres, plus explosifs que d'autres. Mais qu'importe notre métier, on se retrouve ici avec notre courage, notre abnégation et notre passion. Je suis sapeur-pompier. Je travaille dans la banque. Moi, je suis éducatrice sportive. Je suis producteur d'Armagnac. Je suis secrétaire commerciale. Je suis ingénieur. Lors du travail, je fais tout ce qui est maintenance incendie. Je suis magasinier. Moi, je suis cadre infirmier. Il y a la ville de Chambéry, espace vert, je suis les pelouses. On bosse dans l'informatique. Je suis architecte, je suis dans la fonction publique. Je suis étudiant. Je m'occupe de la maintenance des tramways et des métros à Toulouse. Et moi je suis psychomotricienne en libéral. Je suis responsable commercial. Je suis chauffeur livreur, messagerie, dans la région de la Charente. Je travaille dans un bureau, donc ça change comme paysage. Je suis artisan dans le chauffage et la clim. Je travaille à la caisse primaire d'assurance maladie. Moi je travaille dans le monde de l'éducation. Je travaille au bureau d'études dans l'aéronautique. Mentalement ça m'aide dans mon travail quand même. Ça aide aussi dans la vie de tous les jours, dans le boulot. Quand on traverse des moments un peu plus compliqués que d'autres. Ouais. On se dit il faut rien lâcher, on avance et on finira par avoir la ligne d'arrivée. Géomètre dans les travaux publics. Ouais, ça aide à avoir un équilibre. Hein. C'est le plaisir de sortir en montagne, faire du sport, c'est ça, hein, le principal. Donc on profite de la santé qu'on a, n'importe quel âge qu'on ait, tout va bien. Je ne sais pas s'il y a des similitudes, mais en tout cas le trail m'aide. Ça m'aide pas. Dans les périodes difficiles au niveau mental, tu vois, je veux dire, Steph Taco, des marathons, des 42, des 60 km, et ouais, je m'accroche à ça dans les moments compliqués. Faire plaisir et pour ça le trail c'est le top. Du sport, des paysages magnifiques et du bonheur, ça me renvoie. C'est ça qui est bien le trail. Tout le monde a sa place en fait. Et c'est un pur bonheur de tout ça pour plus ou moins la même chose. Réussir à profiter de l'environnement qui nous entoure, des beaux levers de soleil. Des belles montagnes
et puis partager une expérience avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est magique. Merci à tous les bénévoles et organisations. Merci beaucoup. L'organisation est au top. Oui, super. Merci GRP. Merci les bénévoles aussi. Vous êtes top. Merci. Vraiment un trail hyper sélectif. J'ai jamais vu ça. Merci aux bénévoles. Bravo. Merci à toute l'équipe. Ouais, super. Ciao. Merci à l'organisation. Merci à vous, les bénévoles. C'est tout ça un peu réuni, c'est on met tout ça dans une bouteille, on le mélange et ça fait une explosion de bonheur, voilà, c'est ça.